en direct ou pas en direct, qu'a fait nous perdre du temps pour nous pas arriver à résoudre le problème, nan, poser le problème. Je vais appuyer le collègue Rika qui m'a dit pour point 6, nan, point 5, nan, non, point 5 en fait, devant la presse. Et puis après, on a respecté le principe et collègue sénateur. Moi, je pense que ça, nous tous, quand on entend nous souligner. Oui, Président. Il y a une motion sur l'intervention. Oui, laisse-moi parler. Désolé, sénateur Kassi, c'était une motion que je m'ai accordée au sénateur Chirani. La parole aux... Et des motions, bien, Président, au Bacar. Il faut qu'on tente bon moment, qu'on le dit à, qu'on le dit à, qu'on mette des motions encore. Sénateur, sénateur Rony, vous avez la parole. Président. Monsieur Président. Motion accordée au sénateur Kassi. Ce qui s'appelle la motion là, vous me comprenez l'émotion. Ce qui s'appelle la motion là. Président, je pense que l'intervention du sénateur Rounian sont en provocation de taille. Nous connaissons très bien nos minorités. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les noirs avancent, on prend des doigts. Ou bien les noirs avancent, on bagarre qui est logique et qui est assemblée et puis pas de tendre. Et c'est dans ce sens-là que je demande, Président, même Jean, en pile l'autre collègue, il a appuyé sénateur Rika par rapport avec les propositions pertinentes qu'il fait, bon, pas même proposition même, pour obéir avec l'autre 10 jours que nous votons, nous avons souhaité que le Président, dans l'immédiat, ou passe la parole à Président CSPN. Exactement. Président, Manon, motion. Non, s'il vous plaît, la parole revient au sénateur Rony. Il n'y aura plus de motion sur l'intervention du sénateur Rony. Non, c'est la première motion qui est. Président. Ça fait deux. Le sénateur Chérami et sénateur Nenel. Je me garde la parole, là. Président, pas gagné aucun sénateur absentéiste qui a bien gâté ce instant-là. Nous clairons sur ça. Nous-mêmes, nous nous rassemblons. Nous demandons pour 5 sénateurs, formulons des demandes. Tout sénateur a pris en silence pour regarder est-ce que 5 sénateurs formulent des demandes là. Parce que je dis à son bagage très sérieux, on a parlé de sécurité publique, on a parlé de population. Problème population, c'est pas dans les médias la résoudre, c'est des hommes d'État qui pour chita pour résoudre problème population. Et c'est ça que nous venons faire là, Président. Merci beaucoup. Sénateur. Président, moi tant de collègues. Tant des collègues Nenel. Entendez des collègues Nenel. Mais Président, la question insécurité généralisée, là, je ne crois pas une question. Bonsoir, Président. Les minorités qui défendent là. Bonsoir, Président. C'est une question d'insécurité. Bonsoir, Président. S'il vous plaît. C'est une question d'État. Bonsoir, Président. On a souhaité que personne ne va personne ne va parler de majorité ou minorité. S'il vous plaît. Bonsoir, il faut trouver une solution à ce problème. Bonsoir, Président. S'il vous plaît. Bonsoir, Président. La demande de Huclo a été formellement déposé au niveau du bureau Séjean. Je demande au Président non seulement de prendre acte de cette demande, mais de respecter le contrat littéral. Monsieur le Président. Monsieur le Président. C'est une motion. On dit jouer à voter déjà, Président. C'est une motion. Toute affaire cessante. Très bien. S'il vous plaît. De respecter de façon littérale les règlements intérieurs. Toute affaire cessante. M'a demandé, premier secrétaire là, très bien, au Libanon, lecture de demande huis clos qui formulée par un groupe de sénateurs. Très bien. Toute affaire cessante. Merci, Président. Président, sous qui ça ne fait huis clos là? Une séance de travail. Sous qui ça, oui, Président, sous qui ça huis clos après? Sous qui ça, Président? Vous connaissez très bien qu'il a demandé huis clos ici. Non, mais folle. Là, et s'il vous plaît, le premier secrétaire. Une séance de travail en huis clos. Avec le CSPN. S'il vous plaît. Après sénateur, entendez lecture. Demande de huis clos, s'il vous plaît. Monsieur, qui m'a éminé de toi? Attendez, demande de huis clos. S'il vous plaît. Une séance de travail en huis clos avec le CSPN après l'épuisement du point 5. Merci. Très bien. Très bien. Alors, là, non, sénateur, non, et sénateur
Sénateur, vous êtes satisfait? J'accepte. Très bien. Alors, où est pour qui ça a demandé 8 lois? Calme à Cantave. Très bien. On a l'arrêche. Très bien. Merci. Il faut épuiser le point 5, monsieur. Point 5. Vice. Point 5. Non, non. Pratiquement, on demande de 8 clos. Maintenant, ordre du jour, là. Débat, tu as fait là. Est-ce qu'il y a lieu ou pas pour accorder un 8 clos? Qu'on y a question, ça, traité. Maintenant, on passe au point 5. Parce que le point 4 était concerné, mise en contexte par le président de la commission justice. Il fait mise en contexte. Maintenant, nous sommes au point 5. Le point 5, s'il vous plaît. Point 5. Donnez une lecture du point 5 de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Sénateur. Point 5. Point 5 de l'ordre du jour. Présentation de la situation de sécurité à travers le pays par le Premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine. Monsieur le Premier ministre, président du CSPN, vous avez la parole. Merci. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur. Pour répondre à une obligation constitutionnelle, moi, présent après-midi, hein, accompagné de membres CSPN, pour me répondre à l'invitation Sénat sur le problème d'insécurité à travers le pays. Nous attendons, selon teneur correspondance, là, que nous t'abrâlons plutôt parler des derniers événements du week-end dernier. Avec beaucoup de respect que j'ai pour l'honorable sénateur Sénatus, qui dressait un tableau sombre de l'insécurité, bien sûr, les spécialistes du CSPN pour venir avec des faits, mais je suis en mesure de dire qu'actuellement, Haïti est un pays sécuritaire. Malheureusement, les nouvelles sont amplifiées, par la technologie, et je veux parler des réseaux sociaux. Je vais vous donner un petit exemple. En avril 2010, je suis allé à Jamaïque, j'étais à Kingston. Et la police a fait une intervention côté que des gangs qui te gagnent en tête yo en trafiquant de drogue, non monsieur c'est Dodos, et te gagnent plusieurs dizaines de monde qui étaient mouru dans Kingston. Mais ça n'a pas empêché que touristes toujours allaient Kingston, non? Ça n'a pas empêché que Haïtiens quittent le pays pour y aller passer vacances là, non? Moi, quand je dis non, moi, dis et moi, si Haïti, son pays sécuritaire. Nous sommes passés en période de temps, depuis fin octobre, début novembre, côté que ou pas gain des cas d'insécurité en série. Dans aucun pays dans le monde, côté que vous avez dit que ça que gain zéro insécurité. Bien sûr, il y a un pile travail pour nous continuer à faire pour nous renforcer la police nationale noire, comme vous avez dit qui est de plus en plus professionnelle. D'accord? Nous sommes passés en décembre côté que le peuple n'a sorti, côté diaspora rentré dans le pays. Hein? Pas aucune bavure qui fait pendant décembre.
nous sommes passés des dimanches pré-carnavalesques. Côté que serviteurs nous cap parler avec nous, nous descendons presque sans sécurité, nous descendons dans la bande. Je n'ai jamais aucun crainte qu'on va être privé. Effectivement, nous avons tout dimanche pré-carnavalais qui est passé avec zéro mort. Nous sommes passés au carnaval. Côté que dans Port-au-Prince, bilan, c'est zéro mort que lié avec des blessés mineurs. Ça, je pense que c'est une preuve que Jean Yovle décrit pays, ce n'est pas ça que lié. Nous sommes passés en période rara, côté peuple à travers pays. Peuple à amusé. Dans les organes, par exemple, c'est une première fois que les gens qui ont 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas jamais rentré dans la rara, ils rentrent dans la rara. Les organes, ils amusé, ils tournent. Dans le pays côté que vous résidez actuellement. C'est confiance ça que la population a commencé à gagner. C'est confiance ça que les étrangers ont commencé à gagner pour le pays. Côté que les familles haïtiennes qui viennent passer vacances dans le pays, ils sont rentrés avec des étrangers qui viennent passer vacances avec eux. Ils viennent rentrer avec des petits blancs qui ont mis petit. Ils sont rentrés et viennent passer vacances dans le pays. C'est parce que ils ont commencé à sentir que le combat est fait. Bien sûr, il y a des petits problèmes que nous-mêmes nous déplorons. Chaque fois qu'un Haïtien qui tombe, ça fait nous mal en pile. Sénateur, bah nous des cas qui montaient depuis 2016. Monsieur, nous sommes un jour matin, monsieur, je m'appelle dans le travail. De l'homme sorti la caille pour me river dans le bureau. Tu as entendu 15 kidnappings au matin. Mais entre-temps, la police nationale vient beaucoup plus efficace. Et son fléau, que nous continuons à batailler contre le fléau, ça, pour que Haïti qui a arrivé dans le cas zéro kidnapping, par exemple. Nous avons un peu de bail pour nous faire, certes. Nous-mêmes, au niveau du CSPN, bon, nous allons parler à huis clos tout à l'heure, mais féliciter la décision du sénateur qui représentait quand même un corps de sage. Pour nous parler des problèmes, n'est-ce pas vrai, des problèmes vraiment et d'importance nationale, des problèmes de sûreté nationale. Mais nous devons faire intervention ça pour nous parler avec Haïtiens, Haïtiennes. Pour me dire que, je dis, au plus haut niveau de l'État, il y a une équipe qui travaille. L'équipe ça est là pour courir la police nationale. Et me profiter de l'occasion pour me remercier tous les jeunes garçons et jeunes filles qui décident de faire partie de ça. Nous connaissons que le TACA fait l'autre bagaille. Mais ils ont choisi pour servir le pays. En pile, ils sont tombés dans des opérations. Je pense que la République a très reconnaissant de eux. Ce sont des travailleurs de la patrie. Et je dis, son corps qui est professionnel, qui a continué à renforcer le professionnalisme et le problème de sécurité qui gagne, qui a dit, des cas isolés au fur et à mesure. Police, avec moyens que nous-mêmes n'avons mis à disposition, n'avons fini, et puis avec la participation de la population, bien sûr, parce que c'est tout le monde qui fait pour être capable d'impliquer dans l'insécurité,
n'a pas arrivé à Haïti meilleur côté que n'a pas capable attirer des investissements, n'a pas attirer touristes pour venir dans le pays. Non. Avec l'autorisation du président du Sénat, après introduction ça, moi t'arrêmer avec autorisation passer la parole à DCPA qui c'est directeur général à intérim qu'il a actuellement parce que DG en déplacement et il était normalement mandé que c'est DCPA qui assure intérim pendant absence. Okay. La parole est accordée au DCPA. Monsieur le Président, j'aimerais qu'on prenne en compte le huis clos, s'il vous plaît. Oui, c'est après le point 5 tel que formulé dans... Le DCPA va parler maintenant. Ce sont des choses techniques. Ce sont des choses sécuritaires. Je crois que huis clos là, il va là. Non, il n'y a pas une raison. Huis clos, le Premier ministre a dit que le pays a marché bien. Si DCPA... Votre bas a marché bien, vous savez, huis clos encore. Si DCPA a une réserve, ou bien souhaiter peut-être que nous passions à huis clos très très rapidement, nous sommes capables de toujours décider. Monsieur le Président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, moi-même, en ma qualité de directeur central de la police administrative et tout directeur général AI pendant que DG pas là, moi-même m'occupais des opérations. Ça me dit yo technique et yo sensible. Moi-même t'as souhaité ces huit clos. Après ça pour nous partager à la presse, n'a partagé à la presse. Huit clos accordé. Président, moi pas gain raison. Videz la salle s'il vous plaît. Faites vider la salle par les. Allô, oui. Veuillez éteindre les caméras s'il vous plaît. Faites éteindre les caméras, s'il vous plaît. Et si vos caméras nous suspendent, nous surprennent qui ouvrent,